Hey, on fouille dans des maisons au hasard pour trouver un dangereux criminel. Connaissez-vous Pedro? Ah! Vous voulez savoir s'il connaît Pedro? Oh que oui, il le connaît. Il était en train de me promener avec ma charrette des tacos lorsque j'ai vu la seigneur sur son cheval. Il venait vers moi et m'a dit « Baisse ton pantalon! » Il ne voulait pas du tout enlever mon pantalon, surtout que mon pantalon était neuf et que le seigneur ressemblait à Ricky Martin. C'est alors que j'ai vu qu'elle avait une affousie. Donc, il a enlevé mon pantalon. Cela fait lire un petit peu Pedro. Je me suis rendu compte alors que quelque chose n'allait pas. Fait caca. Il ne voulait pas du tout faire le caca. Oh non, non, non. Mais il avait une affousie. Donc, il m'est souvenu qu'il avait mangé du chili à midi. Donc, il a fait du caca. Cela fait lire beaucoup Pedro. Et je me rendais compte que cela n'allait pas du tout, du tout. Il devait sûrement être abonné à coup de pouce ou quelque chose comme ça. Mangez le caca. Il ne voulait vraiment pas du tout manger le caca. Oh non, non, non. Mais il avait encore son fusil. Ah, il m'est souvenu qu'il y avait beaucoup de tacos dans ma charrette et que le caca serait un peu moins pile si c'était avec un autre taco. Donc, il a mangé le Pedro caca. trouvait ça vraiment très très drôle. Il en profita pour voler son fusil et lui dire « Mangez le caca ». Pedro ne voulait pas du tout manger le caca. Mais maintenant, c'était moi qui avais le fusil. Donc, il prit le taco et mangea du caca. Et c'est alors qu'il me suis parti avec son fusil, je suis parti ici, me laver les dents ici. Et vous, vous me demandez si je connais Pedro? Mais bien sûr, on a soupé ensemble. Donc, il a enlevé mon pantalon. Hey, on fouille dans des maisons au hasard pour trouver un dangereux criminel. Connaissez-vous Pedro? Ah! Vous voulez savoir s'il connaît Pedro? Oh que oui, il le connaît. Il était en train de me promener avec ma charrette des tacos lorsque j'ai vu une seigneur sur son cheval. Il venait vers moi et m'a dit « Baisse ton pantalon! » Il ne voulait pas du tout enlever mon pantalon, surtout que mon pantalon était neuf et que le seigneur ressemblait à Ricky Martin. C'est alors que j'ai vu qu'elle avait une affousie. Donc, il a enlevé mon pantalon. Cela fait lire un petit peu Pedro. Je me suis rendu compte alors que quelque chose n'allait pas. Fait caca. Il ne voulait pas du tout faire le caca. Oh non, non, non. Mais il avait une affousie. Donc, il m'est souvenu qu'il avait mangé du chili à midi. Donc, il a fait du caca. Cela fait lire beaucoup Pedro. Et je me rendais compte que cela n'allait pas du tout, du tout. Il devait sûrement être abonné à coup de pouce ou quelque chose comme ça. Mangez le caca. Il ne voulait vraiment pas du tout manger le caca. Oh non, non, non. Mais il avait encore son fusil. Il m'est souvenu qu'il y avait beaucoup de tacos dans ma charrette. Et que le caca serait un peu moins pile si c'était avec un autre taco. Donc, il a mangé le Pedro trouvait ça vraiment très très drôle. Il en profita pour voler son fusil et lui dire « Mangez le caca ». Pedro ne voulait pas du tout manger le caca. Mais maintenant, c'était moi qui avais le fusil. Donc, il prit le taco et mangea du caca. Et c'est alors qu'il me suis parti avec son fusil. Je suis parti ici, me laver les dents ici. Et vous, vous me demandez si je connais Pedro? Mais bien sûr, on a soupé ensemble. J'ai enlevé mon pantalon. Hey, on fouille dans des maisons au hasard pour trouver un dangereux criminel. Connaissez-vous Pedro? Ah! Vous voulez savoir s'il connaît Pedro? Oh que oui, il le connaît. Il était en train de me promener avec ma charrette des tacos lorsque j'ai vu une seigneur sur son cheval. Il venait vers moi et m'a dit « Baisse ton pantalon! » Il ne voulait pas du tout enlever mon pantalon, surtout que mon pantalon était neuf et que le seigneur ressemblait à Ricky Martin. C'est alors que j'ai vu qu'elle avait une affousie. Donc, j'ai enlevé mon pantalon. Cela fait lire un petit peu Pedro. Je me suis rendu compte alors que quelque chose n'allait pas. Fait caca. Il ne voulait pas du tout faire le caca. Oh non, non, non. Mais il avait une affousie. Donc, il m'est souvenu qu'il avait mangé du chili à midi. Donc, il a fait du caca. Cela fait lire beaucoup Pedro. Et je me rendais compte que cela n'allait pas du tout, du tout. Il devait sûrement être abonné à coup de pouce ou quelque chose comme ça. Mangez le caca. Il ne voulait vraiment pas du tout manger le caca. Oh non, non, non. Mais il avait encore son fusil. Il m'est souvenu qu'il y avait beaucoup de tacos dans ma charrette. Et que le caca serait un peu moins pile si c'était avec un autre taco. Donc, il a mangé le Pedro trouvait ça vraiment très très drôle. Il en profita pour voler son fusil et lui dire « Mangez le caca ». Pedro ne voulait pas du tout manger le caca. Mais maintenant, c'était moi qui avais le fusil. Donc, il prit le taco et mangea du caca. Et c'est alors qu'il me suis parti avec son fusil. Je suis parti ici, me laver les dents ici. Et vous, vous me demandez si je connais Pedro? Mais bien sûr, on a soupé ensemble. J'ai enlevé mon pantalon.
Hey, on fouille dans des maisons au hasard à trouver un dangereux criminel. Connaissez-vous Pedro? Ah! Vous voulez savoir s'il connaît Pedro? Oh que oui, il le connaît. Il était en train de me promener avec ma charrette des tacos lorsqu'il y avait une seigneur sur son cheval. Il venait vers moi et m'a dit « Ben, c'est ton pantalon. » Il ne voulait pas du tout enlever mon pantalon, surtout que mon pantalon il était neuf et que le seigneur ressemblait à Ricky Martin. C'est alors qu'il a vu qu'elle avait une affousie. Donc, il a enlevé mon pantalon. Cela fait lire un peu. Petit peu pédlo. Il m'est rendu compte alors que quelque chose n'allait pas. Fait caca. Il ne voulait pas du tout faire le caca. Oh non, non, non. Mais il avait une fousie. Donc il m'est souvenu qu'il avait mangé du chili à midi. Donc il a fait du caca. Cela fait lire beaucoup pédlo. Il me rendait compte que cela n'allait pas du tout, du tout. Il devait sûrement être abonné à coup de pouce ou quelque chose comme ça. Mangez le caca. Il ne voulait vraiment pas du tout manger le caca. Oh non, non, non. Il avait encore son fusil. Il m'est souvenu qu'il y avait beaucoup de tacos dans ma charrette et que le caca serait un peu moins pile si c'était avec un autre taco. Donc, il a mangé les cacas. Pedro trouvait ça vraiment très très drôle. Il en profita pour voler son fusil et lui dire « Mangez les cacas ». Pedro ne voulait pas du tout manger le caca. Mais maintenant, c'était moi qui avais le fusil. Donc, il prit le taco et mangea du caca. Et c'est alors qu'il me suis parti avec son fusil. Je suis parti ici, mais il avait les dents ici. Et vous, vous me demandez s'il connaît Pedro? Mais bien sûr, on a soupé ensemble. Donc, il a enlevé mon pantalon.